Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Cooking Culinaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une petite recette de sablé à la confiture de framboise. Alors n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker, on va passer tout de suite à la préparation. Pour les ingrédients, on a besoin de 250 g de farine, 120 g de beurre mou, ramolli, de la vanille en sachet et liquide, un œuf et 70 g de sucre glace. Je commence par déposer la farine tamisée ainsi que le sucre glace dans le fond du récipient du robot. Je vais utiliser le robot pétrisseur parce que ça va plus vite, mais bien sûr vous pouvez le faire à la main hein, tout simplement. Ensuite, je vais ajouter le sucre vanillé en poudre. Et pour avoir plus de goût, je vais ajouter une cuillère à café environ de vanille liquide. Si vous avez l'extrait de vanille, c'est encore mieux, ou même une gousse de vanille, bien sûr. J'intègre également le beurre mou. Et à l'aide de la feuille ou le cas du robot, je vais sabler la pâte pendant 5 à 10 minutes maximum. Faut pas la pétrir la pâte, hein. Il faut juste sabler et ensuite on passe à la suite de la préparation. Une fois la pâte bien sablée, on ajoute l'œuf et on la laisse travailler encore quelques minutes, le temps que la pâte se détache de la paroi du robot. Donc ne pas trop la travailler non plus. Et ensuite, enfariner un plan de travail pour former une boule sans la pétrir. Ensuite, on va tout simplement la filmer. Donc on la dépose sur du film transparent. On l'aplatit légèrement, on la couvre et on va la laisser entre 1 à 2 heures minimum au frigo. Après le temps de pause, on récupère du papier cuisson qu'on va légèrement enfariner. Ensuite, on dépose dessus notre pâte qu'on va aplatir à environ 3 à 4 mm. À l'aide d'un emporte-pièce, on va former des petits biscuits. Et ensuite, on va faire la même chose mais avec un trou au milieu, donc pour le dessus des biscuits. Et pour avoir des biscuits réguliers, il est préférable de commencer par le trou au milieu et ensuite former le biscuit en dernier. On retire enfin l'excédent de pâte. On peut recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à épuisement de la pâte et donc déposer tous les biscuits préparés au frigo pendant une demi-heure environ, voire plus si vous avez le temps, avant de les enfourner. Vous les enfournez ensuite pendant 10 à 15 minutes à 170 degrés environ. Après, la dorure, c'est au choix. Moi, je les aime comme ça, pas très dorés en fait. Ensuite, on récupère le dessus des biscuits. On va mettre du sucre glace dessus. Et enfin, pour terminer, je prends la base des biscuits. Je vais mettre un petit peu de confiture de votre choix. Moi, j'ai choisi de la framboise et on va les refermer avec le petit biscuit troué par-dessus. On termine la préparation de l'ensemble des biscuits et il ne nous reste plus qu'à les savourer. Voilà, cette recette est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker. Moi, je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne et sur de nouvelles vidéos et recettes.